on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo revue du nouveau mascara de Marc Jacob. Donc avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et c'est parti. Ce matin, j'ai reçu dans une enveloppe blanche en fait, par courrier, une miniature du nouveau mascara de Marc Jacob et je me suis dit ça tombe bien, je ne me suis pas encore maquillée donc pourquoi pas tester ça avec vous. Donc le nouveau mascara c'est le At Lash Day mascara courbe et volume. Donc voilà, donc moi j'ai reçu de la part de la plateforme Octoly la petite miniature qui fait 2,8 grammes. J'essaierai de vous mettre les informations concernant le mascara full size. Il me semble qu'il coûte 28 euros. La miniature du mascara, je suppose qu'elle sera vendue comme à chaque fois chez Sephora parce qu'ils font beaucoup de miniatures de grandes marques, notamment Too Faced. J'ai vu qu'il y avait le mini de Anastasia, le mini de Fenty. Donc je pense que ce petit mascara de Marc Jacob sera également vendu sur le site de Sephora. Donc je vous montre le packaging. Je ne sais pas trop si vous allez pouvoir bien voir. Donc il est doré. Et il y a des rayures noires en fait. Et on voit bien là le Marc Jacob. Donc je viens de juste de le recevoir. Je ne l'ai même pas ouvert et tout. J'ai juste ouvert pour regarder le packaging. Mais je ne l'ai pas encore ouvert pour voir la brosse. Je me suis dit qu'on allait le tester ensemble ce matin. C'est pour ça que vous pouvez me trouver bizarre. Donc peut-être un peu blanche également. J'aurais peut-être dû me détacher les cheveux. Mais bon voilà, je me suis dit avoir le visage dégagé, ça sera beaucoup plus simple pour vous montrer un petit peu ce mascara en action. Donc je crois que je vous ai dit qu'il valait 28 euros le full size sur le site de Sephora. La mini, je pense qu'elle sera vendue probablement aux alentours de 14 euros. On va regarder la brosse ensemble. Alors je vais sniffer le mascara. Ça sent mascara normal. Donc voici la brosse. Donc c'est une brosse en poil en fait. C'est pas une brosse en silicone, c'est vraiment une brosse en poil. En voyant comme ça au premier abord, j'ai un peu peur que ça me chatouille les yeux en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on verra bien ce que ça donne. Il y a l'air d'avoir un petit peu de produit en surplus au bout, mais voilà. Alors, je ne vous ai pas dit également, c'est marqué 42 blackers en fait. Je ne sais pas trop ce que c'est, si c'est la teinte noire et qu'il en existera d'autres teintes ou pas. Mais bon, à voir. Donc je vais vous dire un petit peu ce que Sephora a écrit sur son site. Et je vous mettrai en même temps quelque part, comme ça si vous voulez appuyer sur pause ou lire dans votre tête pour avoir plus les informations. Donc du coup, le full size, c'est 33 grammes. Et là, je vous ai dit quoi? 2,8? C'est ça, 2,8. Donc il doit être bien lourd quand même, le full size. Et il est à 28 euros. Donc au niveau de la description, donc je m'excuse par avance pour le bruit de la route, hein, forcément, comme à chaque fois. Un mascara qui allonge et recourbe vos cils pour un regard intensément plus défini. Donc recourbé, moi c'est ce que je recherche parce que je pense que vous voyez que là on voit pas mes cils en fait. On a limite l'impression, ah, peut-être là, vous voyez peut-être. Voilà, j'ai pas des cils très très longs mais ni très très courts, je dirais moyen. Et ils sont pas du tout recourbés, ils ont plus une tendance à plonger. Grâce à sa formule qui contient de la vitamine B5 et des peptines de biotine. Alors déjà ça... At Lash Day nourrit et revitalise vos cils pour leur donner un aspect plus sain. Donc sur le papier ça semble sympa quoi. Un mascara qui est également soin et qui prend soin en même temps des cils, ça peut être sympa. Ce mascara vous offre instantanément plus de longueur, de courbe et de dimension. Alors ça me fait marrer un peu ces mots là comme ça, dimension. Mais bon, à voir. Donc ils promettent vraiment longueur et courbe. Hein. Donc la formule vegan, donc ça peut être intéressant pour les personnes qui font attention à la composition ou qui veulent des produits vegan et tout. Donc la formule vegan anti-paquet, alors ça je note parce que les paquets se superposent facilement sur vos cils pour leur donner plus de définition. Donc en théorie on peut superposer 2-3 couches sans se retrouver avec des paquets. Les fibres ondulées de brosse ont été conçues pour une application parfaite et recouvrent chaque cil.
Pas de fossiles ni de retouches, juste attelage D. Ça me fait trop marrer. Si vous vous posez la question, ce n'est pas mon téléphone, c'est le téléphone de ma fille. Elle est prochaine collège, donc du coup, voilà, on a investi dans un téléphone. Du coup, j'en ai profité parce que comme je filme avec le mien, c'est compliqué parfois de vouloir des choses. Et là, du coup, je peux faire les deux, je suis contente. Donc, voilà. Donc, pas mal de promesses. Hein. On peut superposer les couches, ça promet du volume, de la longueur, de recourber, pas de paquet et tout. Donc, à voir. Donc, en théorie, moi, en ce moment, j'utilise le style sensationnel en base. Donc, c'est une base blanche de la marque Maybelline. Mais du coup, là, je ne vais pas l'utiliser pour le test pour ne pas fausser les résultats. Et en ce moment, le mascara que j'utilise, c'est le Lash Paradise de L'Oréal que j'ai eu au promo beauté pour 6 € et je ne suis pas super convaincue pour le moment. Donc, je vous raconte un peu ma vie. Je vais vous rapprocher. Vous êtes prêts? Donc, comme je vous disais, j'ai pas fait un make-up de fifou. Moi, j'étais partie pour bien intensifier le regard, tout ça, machin, mettre du crayon noir, de l'eyeliner, et je me suis dit, voilà, si je fais ça, je vais encore avoir des commentaires comme quoi tu as mis de l'eyeliner et du coup on voit pas l'effet du mascara. Donc, je vais pas dire que là ma paupière est nude, mais il y a pas grand chose. Donc, je pense que vous verrez bien le résultat. Je vais recourber mes cils parce que peu importe le mascara que j'utilise ou que j'utilise pas, je recourbe toujours, 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 toujours mes cils. Donc du coup, je ne vais pas déroger à la règle. Je vais me recourber les cils et on va tester un petit peu ce mascara en action. Je pense que je vais peut-être essayer de vous mettre sur la coiffeuse pour que vous soyez plus en hauteur. Ah, je voulais m'excuser aussi, j'avais pas remarqué, mais dans les vidéos précédentes, vous avez vu le truc pas très beau où il y a le tue-mouche pour les mouches, tout simplement. J'avais pas fait gaffe au cadrage et tout. Et comme il y en a dans toutes les pièces parce que l'été arrive et les mouches également, c'est pas terrible. Donc c'est parti, je vous ai mis sur ma coiffeuse pour que je puisse vous rapprocher et que vous puissiez voir en même temps l'application du plus près possible. Donc c'est parti, je vous ai pas précisé. J'ai déjà testé un mascara de Marc Jacobs, c'était le Velvet Noir, Velvet Black, je ne sais plus exactement son nom. Je vous mettrai la photo juste ici, je pense. J'étais pas très très fan du mascara, je crois que je l'avais eu dans une Glossy Box ou une Birchbox, je ne sais plus, une Glossy je pense, deux fois et j'étais pas très très fan. Donc du coup voilà, on va tester cette petite brosse. J'espère que vous allez bien voir, donc j'ai mon miroir mini juste là. Et c'est parti. Alors, j'ai un poil de chat. Ça va pas le faire. Alors, je sais pas si vous avez vu. Je pense que ça se voit. J'ai juste posé la brosse sur toute la longueur pour le moment. Je trouve que ça fait déjà son petit effet. Je pense que juste là, tout de suite maintenant, déjà j'ai l'impression d'être trop près, mais bon. Faut bien que vous voyez les choses, je pense qu'on voit déjà en avant-après alors que j'ai pas fait grand chose. Voilà. Donc je regarde vers le bas. Essaye de faire des mouvements en même temps. Donc là j'y vais vraiment doucement. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit effet. Je pense que vous voyez bien. Donc je vais. Voilà. Moi je suis une fanade des mascaras et je mets plein de couches. Donc je vais faire une bonne première couche comme je suis habituée à le faire. Donc voilà pour la première couche. Je range le mascara pour éviter qu'il sèche. Je pense que vous voyez bien. J'essaye de faire plusieurs trucs. Voilà. Je pense que vous voyez bien ici, là au niveau de la courbe. C'est franchement, c'est plutôt pas mal pour le moment. Donc ouais, non, je pense que vous voyez bien le avant après. Hein. Je pense que ça se voit plutôt bien. Et ça, c'est juste avec une couche. Donc la première couche, je trouve que le mascara se travaille très très bien. Je suis désolée, vous êtes posé dans le vide. Il se travaille très très bien, il est très fluide, il sèche pas du tout rapidement et donc du coup c'est pour ça qu'on peut le travailler très facilement. Voilà, pour une première couche, je trouve ça plutôt bien. Voilà, je trouve ça plutôt bien, je vais laisser un peu sécher et je vais faire la deuxième couche pour qu'on puisse bien voir avant après.
au niveau du mascara, mais pour le moment, je pense que vous voyez bien, c'est impressionnant. Donc du coup, je vais appliquer la deuxième couche sur cet œil-là pour bien voir un petit peu les différences. Et puis voilà, donc c'est parti. J'ouvre le mascara. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si vous aussi vous sniffez les mascaras. C'est un truc que je fais souvent et je fais tout le temps. Donc c'est parti pour la deuxième couche. Et il y a la circulation à fond qui passe. Alors je mets là du produit sur mes cils. J'ai pas l'impression que ça fait trop de paquets. Là je pense que vous allez voir, j'ai fait un petit caca. Hop, ça a l'air d'aller. Ça les étoffe bien. Ça, la superposition là, c'est sans souci. J'ai pas attention à mon miroir, ça se trouve, vous avez rien vu du tout, du tout. Hop. Alors j'y vais doucement parce que je suis la spécialiste pour me tâcher la paupière en faisant mes zigzags. Donc j'y vais très doucement. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal au niveau de la deuxième couche. Je vais attendre un peu avant de faire les cils du bas parce que comme les cils du haut ne sont pas secs, c'est un coup à s'en coller en haut. Je vous redéplace et voilà le résultat de couche. Je pense que vous voyez bien voilà, sur le côté comme ça. Je trouve ça fou, hein. C'est de loin comme ça, ça fait vraiment... Voilà, là vous me voyez, ça fait genre, j'écrase mon nez, ça fait moche. ça fait regard réveillé, tout va bien. Et de l'autre côté, c'est fou franchement comme quoi le mascara, ça change tout. Hein. Dans le regard et tout, pas la peine de faire un super make-up et tout, surtout l'été. Une petite ombre à paupières brillante, nacrée, satinée, comme vous voulez. Un mascara et... nickel quoi je trouve. Je vais faire le deuxième œil, ça serait bien à un moment donné. Je vous attends peut-être pour les cils du bas, on fera ça ensemble et puis on fera une petite conclusion. Voilà. Donc voilà avec les deux couches des deux côtés des yeux. Je pense que de comme ça, je pense que vous voyez plutôt bien que ça ouvre le regard. Voilà. Ça ouvre vraiment le regard, je trouve ça plutôt chouette. Je vais faire les cils du bas pour voir si ça va ou pas. Des fois les brosses c'est un petit peu compliqué. Donc alors on va enlever le petit caca du bout, ça va être bien. Hop. Alors moi j'aime bien faire les cils du bas mais peut-être pas forcément trop marqués. Là ça m'a fait deux petits paquets. Donc voilà, je pense que pour les cils du bas, c'est pas peut-être pas forcément adapté, mais c'est pas la catastrophe, ça va plutôt bien. Donc ouais, non, c'est plutôt bien. Alors, je vais vous reculer, hein. J'espère que vous n'êtes pas penchés, hein, parce que c'est pas terrible. Donc on va refaire un petit point au niveau de ce que Sephora en disait. Donc du coup, on nous parlait d'un mascara qui allonge et recourbe vos cils pour un regard intensément plus défini. Donc, je pense qu'on a bien vu que ça recourbait les cils. Je pense qu'on voit très bien la courbe ici et que ça allongeait effectivement bien. Donc, du coup, pour moi, pas de souci. Grâce à sa formule qui contient machin bidule, revitalise vos cils pour leur donner un aspect plus sain. Ça, je sais pas trop comment on va pouvoir regarder si mes cils ont un aspect plus sain ou pas. Ils n'avaient pas l'air d'être malades avant, donc je sais pas. Donc ce mascara vous offre instantanément plus de longueur, de courbe et de dimension. Donc ça forcément, enfin, moi je valide à 100%. Je trouve vraiment que quand j'ai commencé à appliquer le tout début de la première couche, j'ai déjà vu un effet direct.
Formule vegan, anti-paquet, se superpose facilement sur vos cils pour leur donner plus de définition. Comme je vous l'ai dit, quand j'appliquais le mascara, la formule avait l'air d'être liquide et du coup, elle pouvait facilement se travailler. Je sentais que ça glissait tout seul. Voilà, c'est pas un mascara qui date de 3 mois et qui est en train de sécher, quoi. Il était vraiment très simple à travailler. Les fibres ondulées de la brosse ont été conçues pour une application parfaite qui recouvre chaque cil. Donc oui, effectivement, ça prend bien le cil, il n'y a pas de souci. Et pas de faux cils ni de retouches, juste attelage, ça me fait marrer. Donc, qu'est-ce que je peux vous en dire de ce petit mascara? Donc moi, j'ai reçu gratuitement par Octoly la format mini, donc je suis vraiment très contente de pouvoir tester. Je ne suis pas trop à mettre 25-30 euros dans un mascara. Je sais qu'il y a des très bons mascaras comme le Dior Show Iconique que j'aime beaucoup, mais pareil, il coûte trop cher. Le Climax de Nars que j'avais adoré. Le Big Bang Bagdell ou un truc comme ça de Benefit que j'aime beaucoup également. Voilà, donc oui, c'est un bon mascara. Il fait bien son travail, il recourbe bien les cils, il allonge bien les cils. À voir dans la journée si j'ai pas une chute de cils et si j'ai pas des petits caca ici. Donc si c'est le cas, je vous mettrai une annotation quelque part. Donc voilà, je le trouve vraiment très très bien. Après voilà, moi j'ai du mal à mettre 28 euros dans un mascara, sachant qu'en grande surface, les gemmes Maybelline ou les L'Oréal, par exemple le Bambi Eyes que vous avez fait une revue avant Noël, je crois, quelque chose comme ça, je le trouvais vraiment tip top, vraiment très bien et vraiment génial. Il était au promo Beauté Leclerc à 6 euros, donc franchement, entre 6 euros ou un mascara à 28 euros, voilà, moi mon choix est fait, je préfère les mascaras de grande surface qui coûtent vraiment pas très cher, ou ceux d'essence pareil qui sont à 3 euros, ils font vraiment bien bien le taf. Mais si vous avez les moyens, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie de tester, si vous aimez un petit peu le packaging comme ça qui est vraiment classe et doré, franchement vous pouvez foncer sur ce mascara, moi je le trouve très bien. Après je mesure mes paroles, c'est une première impression, parfois ça change et ce sont mes cils à moi. Voilà, donc c'est mon avis à moi. C'est fou à quel point on peut voir une différence d'avis. Et il y a la voisine qui ouvre la fenêtre. C'est trop de la chance à chaque fois. Elle a mis une vis dans le jean, elle est en train de la secouer. Je suis sûre que c'est sa salle de bain. Enfin bref, c'est pas grave. Donc oui, c'est fou à quel point les avis d'un mascara d'une personne à l'autre peuvent changer. Après, c'est normal. On a tous des cils et... des cils différents, des attentes différentes. Voilà, tu peux avoir les cils très courts et qui tombent. Tu peux avoir les cils longs mais qui tombent. Tu peux avoir les cils très longs et recourbés. Donc du coup, n'importe quel mascara te fera un effet de ouf. Et tu peux avoir envie d'un effet naturel. Comme tu peux avoir envie d'un effet un peu pâte d'araignée qui s'étire et tout. Donc voilà, ça dépend vraiment des cils. Ça dépend vraiment ce que vous recherchez. Donc c'est vraiment un petit peu... subjectif quoi, ça dépend des personnes. Enfin bref, donc moi ce petit test du mascara Marc Jacob Attelage, bah je valide, je le trouve vraiment très très bien. Je vais continuer à utiliser cette petite miniature bah probablement tout l'été, le temps qui va durer parce que c'est un format mini. Mais voilà, pour le moment comme je vous disais, je le trouve vraiment très très bien. Il fait vraiment son job, il est vraiment sympa. Donc voilà. Donc c'est terminé pour ma revue première impression sur le nouveau mascara de Marc Jacob. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez un petit peu plus de je teste ou ce genre de choses. C'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de test mascara ou que je n'ai pas testé d'autres choses avec vous en caméra. Après comme je vous dis, ça reste des premières impressions, ça peut évoluer à fil des temps. Mais dans ces cas-là, j'hésite pas à vous en reparler en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou à vous en reparler dans mes produits terminés. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !